Yep, pas tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, voilà, aujourd'hui je me suis intéressée, ma curiosité s'est penchée sur un thème autour des impôts, notamment les revenus exceptionnels. Quand est-ce qu'on parle de revenus exceptionnels? En fait, c'est quoi les revenus exceptionnels? Et si on a perçu des revenus dits exceptionnels, eh ben, comment on les déclare? Alors donc pour essayer de comprendre, d'apprendre, je dirais même, parce que je suis pas une experte et voilà, je suis juste un particulier qui essaie de comprendre la fiscalité auquel potentiellement il serait soumis. Donc j'ai essayé de consulter les sites du GOUV, notamment www.servicepublic.fr, voilà, tout simplement. Et en fait, ça me permet de comprendre quelque chose, c'est qu'il semble avoir en fait deux dispositifs existants en fait, qui vont voilà, il existe deux dispositifs actuellement. Bon, j'ai essayé de détailler donc dans deux parties ces deux dispositifs pour qu'on comprenne en fait chacun en fonction de notre situation quel pourrait être l'avantage ou l'inconvénient d'opter pour une option ou une autre. Alors déjà, qu'est-ce qui qualifie un revenu dit d'exceptionnel? Alors pour qu'un revenu soit considéré comme exceptionnel, en fait son montant, il doit être supérieur à la moyenne des revenus imposables perçus en fait au cours des 3 dernières années, donc des années précédant sa perception. Alors qu'est-ce qui peut être qualifié de revenu exceptionnel? Alors ça peut être des primes de départ, de mobilité, de départ volontaire, ça peut être les indemnités d'un prud'homme, ça peut être des plus-values, on ne sait jamais, sur un portefeuille d'actions ou autre, tout est possible. Donc c'est des revenus dits exceptionnels. Alors il semble que, moi je dirais que la notion de revenu exceptionnel, en fait, il y a deux options possibles, c'est que soit vous prenez le cas de figure où vous souhaitez être imposé selon le système de quotient, je vais l'expliquer, ou soit vous prenez le cas de figure où vous souhaitez être imposé selon le modèle, le système d'étalement, donc c'est-à-dire en différé sur 4 ans. C'est ce que je vais expliquer aussi. Donc on va regarder le système de quotient. Donc en fait, le système de quotient, lui, il semble reposer sur le fait de pouvoir justement ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel. Puis ça revient à multiplier par 4 le supplément d'impôt qui va correspondre. Et l'impôt de ce revenu exceptionnel, il pourra être payé donc en une seule fois, ce qui vous permet d'éviter quoi ? Bah, potentiellement le risque lié à la progressivité du barème des impôts. Donc il faut voir par là si c'est effectivement un risque ou une opportunité d'opter pour le système de quotient. Puis après, on a un autre cas de figure, c'est celui du système d'étalement ou de différé. Donc là aussi, j'ai essayé de comprendre, mais je suis vraiment pas une experte. Alors, dans le système d'étalement ou différé, moi, ce que j'ai compris, c'est que... Donc déjà, il y a, pour pouvoir bénéficier du système d'étalement, j'ai cru comprendre qu'en fait, ça dépendait de l'origine des revenus exceptionnels. Il y a certains cas de figure où vous rentrez et d'autres où potentiellement vous rentrez pas. Alors ça, je suis pas sûre du tout, c'est à vérifier. Donc par exemple, si vous avez des revenus exceptionnels issus d'indemnités de départ volontaire ou de retraite ou issus de votre compte épargne-temps ou alors vos PERCO, vos plans épargne entreprise, PE, etc., etc. Donc dans l'option de ce système d'étalement, en fait, lui, il donnerait l'opportunité, enfin, il permettrait d'étaler l'imposition sur 4 ans. Donc dans ce cas de figure, la fraction imposable en fait des revenus, elle est de 1 quart pour l'année de perception, puis 1 quart les 3 années qui vont suivre. Il est à noter que cette option, en fait, elle est irréversible ou encore irrévocable. Donc tout à l'heure, en conclusion, je ferai un petit résumé sur les simulations, en fait, pour comprendre quel système je dois choisir. Alors par contre là, si je dois reporter ces revenus exceptionnels, alors moi j'en suis pas sûre. D'après mes recherches, en fait, j'ai trouvé 2 notices. Alors ça montre bien que je maîtrise pas, mais voilà, moi j'ai trouvé la notice en fait 2041-GH, où d'autres parlent de la 2042 en page 3. Voilà, avec les lignes qui devraient nous intéresser, en fonction de l'option que vous prenez, la 1AJ et la 1DJ. Puis la ligne 1AP et 1DP. Alors voilà, donc tout ça en fonction de si vous souhaitez bénéficier de l'imposition par système de quotient ou système d'étalement, il faut voir quelles notices vous devez utiliser ou voir même si c'est potentiellement les mêmes notices. Je ne suis pas une pro, une experte et j'essaie de comprendre au même titre que vous. Par contre, en conclusion maintenant, je dirais que les revenus exceptionnels, il est important de...
d'essayer de comprendre, même si on est un particulier, pourquoi? Bah parce qu'il y a quand même un avantage, moi je dirais, une opportunité à encadrer le risque et comprendre réellement en fait l'opportunité de comment est-ce qu'on peut réduire notre note fiscale. Parce que qui dit revenu exceptionnel dit ça tombe pas tout le temps. Donc si vous avez eu la chance de percevoir des revenus exceptionnels, bah, ce serait bien que vous puissiez en garder un peu le bénéfice pour améliorer vos conditions de vie plus tard. Donc c'est important de réaliser à mon sens, des simulations d'imposition. Donc c'est pour ça que je pense que parfois, on n'est pas des experts et peut-être qu'effectivement le centre des impôts peut vous aider éventuellement à faire des simulations. Donc si on fait une simulation, comment faut comprendre la simulation? Si on prend l'exemple du système du quotient. Alors si vous voulez voir si le système du quotient est avantageux ou pas, déjà en une première partie vous allez faire une simulation, c'est-à-dire que 1, vous allez calculer votre impôt sans le revenu exceptionnel, puis 2, vous allez procéder de la même manière, vous allez calculer votre impôt plus un quart de ce revenu exceptionnel, puis en d'autres termes vous ferez juste la différence entre le 1 et 2 que vous multiplierez par 4, ce qui vous donnera en fait le coût de votre supplément d'impôt en fonction de l'option que vous allez choisir. Maintenant, en fait, si vous prenez le système d'étalement, en fait, l'impôt sur le revenu, pour ce revenu exceptionnel, il sera étalé sur 4 ans. Voilà. Donc, en d'autres termes, pour l'année N, ça va consister à déclarer un quart du montant de ce revenu. Donc là, a priori, on devrait utiliser les lignes 1AJ et 1DJ. Puis pour les années N plus 1, N plus 2, N plus 3, vous déclarez les autres quarts restants du montant dans les lignes, cette fois-ci 1AP et 1DG. Et 1DP, autant pour moi, 1DP. Et donc à ça, chaque année, vous ajouterez ce quart à votre impôt sur les revenus. Et ça vous donnera votre imposition globale. Donc voilà, c'est pas très simple. Moi, je suis pas une experte, j'essaie de comprendre comme un particulier, mais revenu exceptionnel, ce que j'en retiens, c'est que le revenu exceptionnel, il est qualifié en fonction de quoi? Par sa nature et son montant. Et après, vous avez deux dispositifs, en fait, de déclaration. Et il faut vraiment voir en fonction de vous, votre profil d'imposition préalable, etc., etc., de vos revenus, quel est le dispositif qui vous convient le mieux. Donc voilà, c'est un petit exercice de simulation. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt en espérant que ce sujet vous aura donné des axes de réflexion ou que, voire même, il vous aura un tout petit peu aidé. Si j'ai la prétention de pouvoir faire ça, ce serait cool. Mais je ne suis pas très fière de ma présentation, donc je ne pense pas y être arrivée. Voilà. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'aura donné l'occasion d'apprendre un petit peu plus et de comprendre, même si je ne suis pas experte ni je ne maîtrise pas encore le sujet. Mais voilà, on y va progressivement. Petit à petit, on apprend, on comprend, on réapprend. Et on s'améliore. Je vous dis à bientôt. Yépa !